Bonjour à tous. J'avais commencé à faire un live tout à l'heure sur Twitch, mais j'ai pas assez de connexion. Voilà. Je suis arrivée, donc je suis devant le Chrome Lake, donc dolmen, avec entourage de pierres arrondies, donc de Serra d'Anjac, près de Saint-Michel-sur-Liotte. Dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin du très beau village Castelnau, historique. Donc j'ai pris d'ailleurs cette route-là pour arriver, une très très belle route. Puis après, j'ai pris la départementale 48, donc. Puis après la départementale 2, je crois bien. Et là, en laissant passer plusieurs petites routes sur le côté droit. Donc je suis tombée sur une route chemin qui est ici, voilà, donc toujours à droite. Donc ça veut dire qu'on peut aller jusqu'ici, donc c'est accessible pour les handicapés. Voilà, il n'y a pas besoin, je pensais qu'il y aurait une randonnée. Bon, il pleut en plus aujourd'hui, mais bon, je ne peux pas faire autrement, là il pleut toute la semaine. J'ai décidé de faire cette petite sortie tout de même, je ne regrette pas. C'est très calme, on entend les oiseaux, c'est un domaine très très nature avec des chênes verts partout, partout. On est entouré de chênes verts, moi ça me fait trop penser à la Chine en fait, tous ces chênes verts là. C'est très beau parce qu'après il y a beaucoup beaucoup de collines, de montagnes. Donc du coup, ce qui est intéressant en arrivant ici, c'est d'utiliser les énergies du lieu. Donc tout ce qui est rond comme ça, comme on a déjà positionné des menhirs, hein, vous savez les menhirs ça veut dire les pierres qui sont posées de manière verticale, et donc men ça veut dire pierre, et ir en gros qui se hisse, et dolmen ça veut dire men donc pierre, et dol la table. Donc on a une belle table au milieu là, et l'idée du cercle c'est potentialiser les énergies, on vous retrouvez ça aussi dans plein de cercles comme ça, mégalithiques, donc Stonehenge par exemple. Voilà. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est deux choses, que ça soit accessible handicapé, et après d'avoir éventuellement un pendule, ou bien, voilà, justement je fais la vidéo pour vous permettre de vous rendre compte un petit peu de comment on peut utiliser ces lieux-là aujourd'hui. Alors, donc on a un point d'énergie positif qui sort de terre, autour de ce dolmen. Donc là, par exemple, voilà, si je vous montre avec le pendule, d'abord on peut le ressentir soi-même, hein. Mais en réalité, voilà, ce qui se passe, c'est que, voilà, le pendule, il tourne dans le sens, pour moi en tout cas, dont, avec mes courants qui passe par mon corps et la concentration, ça tourne dans le sens des aiguilles, inverse des aiguilles d'une montre, lorsque c'est un point d'énergie positif. Alors, dans ces endroits-là, comme par exemple dans les nefs des églises, des lieux saints, qui sont construites en général sur des anciens dolmens, voilà, ça on a fait de la récup, vous pouvez au niveau de la nef, souvent, vous avez un champ de force comme ceci, qui vous élève, hein, qu'on appelle un vortex, et donc du coup je pense que c'est effectivement plutôt ascensionnel. En tout cas, moi ce que j'ai remarqué, c'est que pour ma part mon pendule se mettait à tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde, et de toute façon ce qu'il est conseillé si vous voulez vous énergiser, c'est de faire le tour dans le sens comme ceci, inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est ce que j'ai fait en arrivant, trois fois le tour. Mais après, je me suis dit, en fait, il doit y avoir un point de décharge. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans ce genre d'endroit, voilà, c'est de trouver aussi les points pour vous vider des énergies négatives, ou vous vider de vos problèmes, de vos soucis. Et pas très loin, du coup, je me suis rendu compte que, par hasard, hein, parce que j'observais un peu, j'avais envie de marcher un peu, quitte à être ici, il y avait d'autres pierres posées là-bas, vous voyez, et puis on peut ressentir cette fois-ci, on va voir aussi sur la nature, elle est un petit peu plus, il y a du lierre, il va y avoir du lierre, là on a beaucoup de lichen là sur les arbres, donc ça, ça note aussi des endroits
où ça va être plutôt une forme de nettoyage vers le bas. Voilà, dans le cycle de la Terre, nettoyage vers le bas, donc nettoyage, purification. Donc là, vous voyez, pas besoin d'être, c'est accessible quand même pour un petit marcheur, enfin, pas très loin. Donc peut-être avec un fauteuil, ça peut être un peu plus chaud, ça dépend du type de fauteuil. Bon, là c'est vrai qu'il pleut aujourd'hui, mais vous voyez, c'est pas non plus boueux. Enfin, ça va quoi. Alors, du coup, et ici, je me suis dit, là, il y a quoi là? Alors, j'ai sorti mon pendule et j'ai ressenti que c'était un endroit, justement, qui est comme une espèce de baignoire, si on pourrait dire. Un endroit de nettoyage, donc, pour arriver dans un premier temps et se vider. Vider, enlever les choses qu'on a en trop. Se nettoyer, vider, recycler les énergies vers le centre de la Terre. Et ça, donc là, par exemple, on se rend compte qu'il y a comme une espèce de niche à représenter ici. C'est des endroits qui vident la tête, hein, littéralement. Et là, donc, j'ai ressorti mon pendule. Effectivement, j'ai constaté que, en réalité, ça tournait dans le sens horaire, ici. Donc là, je suis en train de vous parler en même temps. Il faut que je me concentre. Ça peut être un peu compliqué, mais voilà. Donc, pour vous illustrer ça. Donc, dans ces points de déchargement, bon, comme je l'ai fait tout à l'heure, je ne vais pas forcément le refaire longtemps. Il ne faut pas forcément rester très longtemps, mais je me suis laissé porter. Et puis après, j'ai été un petit peu plus loin, là, voilà. Un petit peu explorer le reste de ce coin-là. Et effectivement, je me suis retrouvée un peu désorientée parce que j'étais de l'autre côté. Bon, et après, je me suis retrouvée à retrouver le dolmen donc qui est derrière là. C'est là qu'on se rend compte que ces endroits ça vide de la tête et du coup ça fait du bien aussi. Donc voilà, et après normalement pour vous recharger, il est toujours bon de se faire un petit vidage avant de se charger des énergies positives. Ça m'est arrivé aussi de prendre la route, de faire 800 km et pour se réénergiser. Je suis tombée sur une aire d'autoroute avec des jeux plus ou moins pour les enfants. Et là, il y avait des menhirs disposés en rond. Alors des menhirs un peu modernes. Et là, vous vous mettez au centre et normalement, vous vous rechargez des énergies. Et c'est vrai, ça a marché, ça a fonctionné. Donc voilà, alors on retrouve le dolmen, Cromlech. Et là, je vais vous montrer un petit peu une très belle végétation ici, avec plein de fleurs, toutes les couleurs. Donc là, vous avez le bruit de la pluie. Alors, donc, et après, effectivement, vous pouvez faire trois fois le tour de ce dolmen. Je me suis rendu compte aussi avec le pendule que les énergies, quand je faisais le tour, elles étaient plus forte à cet endroit-là, voilà, à cette sortie ici, face à cette sortie ou cette entrée, je ne sais pas. Voilà, c'est là où c'était le point culminant. Donc, je vous fais grâce trois fois le tour. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre. En revanche, si vous êtes dans un, si vous avez l'occasion de pouvoir accéder à un cloître qui soit ouvert en cette période de confinement. Les cloîtres sont bâtis plus, oui, effectivement, pour tourner dans le sens horaire. Les cloîtres, c'est vous faites le tour dans le sens horaire parce qu'effectivement, ils sont plutôt constitués pour vider un peu la tête, justement, ces cloîtres-là. Donc, se nettoyer un petit peu, voilà. Et après, évidemment, les cloîtres, c'est toujours à côté d'une église et après, il vous suffit d'aller à la nef de l'église pour faire le tour dans l'autre sens. Donc c'est intéressant de savoir ça. Alors il y a des énormes fourmis là. Je sais pas si vous la voyez. Celles-là, là, elles sont géantes. Je sais pas si c'est un rapport avec l'endroit. Qui a beaucoup d'énergie. Alors, ce qui est intéressant également de constater, c'est que ici, donc, sur cette table, du coup,
Et il y a très très souvent dans les dolmens, et je suis sûre que vous en avez près de chez vous, hein, parce que moi j'avais vu à Malakoff, il y en avait, ici dans la région où je suis, il y en a beaucoup beaucoup aussi. Bon, je vous réfère à la playlist que je constitue au fur et à mesure, Inspiration mégalithique. Ici sur cette table, on voit des cupules. Là, voilà, des petits récipients qui se remplissent justement, comme aujourd'hui, de la pluie qui tombe. Et ils sont plus ou moins reliés, c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression qu'ils ont utilisé des outils spécifiques. C'est très ancien en fait. Ça ne peut pas être l'érosion parce qu'ici il pleut très peu en fait. Hein. C'est un département où il y a énormément de jours d'ensoleillement dans l'année. Ça avoisine les 300 et quelques jours de soleil dans l'année. Donc là, c'est exceptionnel aujourd'hui. Alors, je suis tombée sur la semaine de la saison des pluies. Ici, ce qu'on remarque de spécifique, c'est qu'il y a également des croix. Vous les voyez ? Hein, donc là, par exemple, il y en a plusieurs. Donc ici, là, je ne vais pas les compter. Alors attendez, il faut que je protège mon téléphone de la pluie. Voilà. On en voit, bon voilà, c'est... Ici, encore une fois, une autre, une plus petite, là. Encore une, là. Donc, c'est très particulier. Et puis, ces cupules qui semblent être reliées aussi. Un petit peu, on voit, il y a comme un sillon qui relie les cupules. C'est très intéressant. Des fois, des cupules isolées, ici. Ou alors, c'est une espèce de sillon qui relie les cupules par moment. Et puis ça tourne d'ailleurs, enfin, ça fait un petit peu des dessins un petit peu, comme si ça tournait à l'intérieur. Bon, et puis bon voilà, on retrouve les autres. Et alors il y a aussi ici des genres d'inscriptions là, voilà, un peu comme des runes, comment on appelle ça, des runes. Des inscriptions anciennes, alphabet à l'ancienne, là-bas il y en a encore sur le rocher là. Ici, voyez, là j'en ai une tout près de moi là. Vous voyez ça, c'est particulier. Donc et puis ces croix, un peu, on retrouve la croix cathare là. Moi je suis en plein pays catalan ici. Alors, donc je ne sais pas trop à quel moment ça a été fait. Mais c'est vrai que les cupules sont pas rares. Alors les cupules, on peut s'en servir aussi pour s'énergiser également. Voilà. Donc là, je vais pas boire parce que j'ai vu que sur le retour à Castelnou, dans le village médiéval de Castelnou, vous avez avant de rentrer dans. Attendez, quand on arrive de. Comment dire, quand on arrive de l'ouest, on va dire, avant de passer le village. Vous avez un pont, et juste après le pont, sur la gauche, il y a tout de suite accessible sur la route un petit passage vers une roche. Et c'est un pont où il y a une sorte de ravine qui est plus ou moins à sec. Et là, vous avez un robinet avec une source. Et j'ai rempli de l'eau, et c'est super, elle est très très bonne et hyper fraîche. Voilà, source énergisante, c'est intéressant. Donc, mais je me dis que bon, voilà. Mais ici, peut-être que c'est des endroits, des cupules comme ça, qui auraient été utilisés pour faire des onctions, des potions. Enfin, ça veut dire utiliser, par exemple, certaines plantes, voilà, potentialiser, fabriquer un genre de médicament, si on peut dire. Voilà, donc médicament naturel, évidemment. Ici, donc, on pourrait, mais on ne va pas le faire, aller dessous, là. Donc ça, ça peut avoir un autre intérêt à voir. Voilà. Ça, éventuellement, si vous voulez faire certaines cérémonies, voilà, certains soins qui peuvent être faits, ou juste vous-même, en fait, en méditant. Voilà, des endroits pour méditer. On ne va pas non plus s'asseoir sur le haut. Donc voilà, en gros, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire et vous montrer. Et on va finir sur une petite image, là. C'est qu'à la sortie, on a un très beau, une très belle petite fenêtre ici. Je trouvais ça mignon. Avec cette pierre également
qui est presque en forme de cœur, j'ai l'impression moi. Donc très joli paysage, un petit peu champêtre. Voilà. Donc je pense qu'on s'est bien énergisé là. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être que je m'arrêterai à boire un petit coup devant la source en passant. En passant devant le village de. Enfin, avant l'entrée du village de Castelnou, en allant de l'ouest à l'est. Voilà. Et bien écoutez, bon déconfinement à tous. Et puis à bientôt.